どうも、ボサレティミナーマンディネです。本日はですね、お兄ちゃんとお母さんに、特別な動画を撮影しようと思ってるんですけど、一応内容としてはですね、明日、日本に帰ることになっておりますので、お母さんとお兄ちゃんは実際、まあ、娘と妹は、日本に帰ることに関してはどう思っているのか、感想の動画になっております。Du coup, le thème de la vidéo aujourd'hui, c'est que demain, je pars au Japon. C'est triste. Ouais. Tu retournes au Japon. Oui, je retourne au Japon. Pour quoi faire? Pour faire des vidéos. Pour travailler. Voilà, pour travailler. Donc du coup, c'était pour savoir qu'est-ce que vous pensiez du fait que je reparte, vu que je suis restée un an ici. Et donc qu'est-ce que vous en pensez globalement, si vous voulez aller au Japon, quand ça va rouvrir, je sais pas. N'importe quoi. Commence par qui? Bon, je vais commencer. Ça fait un an que vous êtes en France et ça fait un an que vous faites profiter à vos abonnés tous les événements, la nourriture, etc., les villes de France. Je pense donc que c'est bien que vous retourniez un peu là-bas pour pouvoir voyager à travers le Japon et faire découvrir donc aux Japonais, enfin aux fans japonais, le Japon. Tel que peut-être ils ne l'ont jamais vu. Déjà, toi, en tant que Française, passer dans certaines villes, goûter certains plats que tu ne connais peut-être pas, donner ton ressenti par rapport à tout ça. Je pense que ça peut être intéressant. Donc, c'est une très bonne idée que vous retourniez au Japon. D'abord pour Gen, déjà, pour voir sa famille, c'est important aussi, pour qu'il revoie un peu son père, pardon, sa mère, sa sœur, de profiter un peu de sa famille. Je pense que c'est une bonne idée que vous avez eue. Un peu un vent nouveau sur la chaîne. Voilà, voilà, oui, je pense que, bon, ça fait un an que vous êtes partie du Japon. Je pense que de renouveler un peu les vidéos dans un autre environnement, un autre continent, une autre culture, je pense que c'est bien. Bah c'est surtout qu'en plus, avec la fin, avec le Covid, c'était plus le salon qu'on présentait. Voilà, c'était compliqué. Endroits, oui, en France, c'est compliqué pour voyager. C'est toujours pareil. Le même environnement. Et je pense que même moi, qui suis votre chaîne, je vais être contente de voir plein de choses sur le Japon. Donc okay. Ça va me faire découvrir le Japon, que j'ai déjà découvert à travers la vidéo du projecteur. Et ça me donnera encore peut-être plus l'envie d'y aller. Tu comprends? Ouais. Donc j'attends. Elle va être devant sa télé, j'ai envie de manger ça, ça a l'air bon. Je vais avoir la nostalgie de vous voir. Bon, ça va me faire un peu mal au cœur. Hein, mais tu pourras nous voir 2-3 fois par semaine au lieu de nous voir 0 fois juste par le téléphone. Voilà, c'est bien, ouais, c'est bien. Sur le plan personnel, bon, forcément, quand vous repartez, toujours un peu triste. Bien, ça va être quand même moins dur pour moi. Pour papa et maman qui t'avaient tué, voilà, 24 heures sur 24. Donc j'ai eu, notamment pendant mes 6 mois de vacances par an. non, par mes, voilà, mes vacances ou quelques week-ends. Après, d'un point de vue professionnel pour vous, comme vous avez commencé votre chaîne au Japon, et que ça a continué forcément en France et vous avez pris plein d'abonnés, je pense que le fait de revenir au Japon, ça peut peut-être vous ouvrir peut-être des portes que vous n'aviez peut-être pas avant. Vous allez peut-être avoir des propositions, je suis peut-être amené des idées, etc., au niveau des vidéos que vous n'auriez peut-être pas pu faire avant ou penser faire avant. Et donc je pense que ça va permettre, comme maman disait, peut-être de redonner un petit renouveau, un renouveau à la chaîne. De changer de cadre d'environnement, ça permet aussi de varier un peu, mais aussi voilà, de peut-être mettre du nouveau contenu que vous n'auriez peut-être pas eu accès avant. Il y a les festivals, etc. Déjà vous allez arriver à la période des cerisiers en fleurs, donc là déjà il va y avoir des vidéos à faire dessus, là c'est sûr, que je pense que c'est bien quoi, de toucher peut-être un autre type de fan, tu sais, que ceux qui s'intéressent à la France uniquement, que d'essayer de toucher une autre catégorie de japonais qui s'intéressent à leur pays, vu par une française ou vu par une étrangère. Ça c'est important, je pense. Et puis ton ressenti par rapport à ça. Donc je pense que c'est important ton avis sur leur pays, surtout que le Japon, ils aiment bien, les japonais aiment bien
Connaître la vie des étrangers. Voilà, connaître la vie des étrangers sur leur pays. Ils aiment bien savoir si on a apprécié ou pas, tu vois. Donc c'est important pour eux. D'ailleurs, qu'en France, c'était notre avis aussi à nous, quoi. Ouais. Là, ça sera bon, plus ton avis à toi, mais par rapport à ce qui se passe au Japon, quoi, ce qui se passe en France vis-à-vis du Japon. Puis vis-à-vis de toi aussi, toi, tu aimes bien le Japon, ça te permet aussi de retourner au Japon, garder le contact avec la langue. Et puis continuer à parler en japonais, voilà, à reprendre. C'était ça qui m'inquiétait le plus, moi. C'était en un an de France, j'ai perdu un max de vocabulaire que j'avais quand je travaillais. Par contre, il faut que tu parles un peu français à Edgen pour que lui, il garde son français. Qu'il ne perde pas le bénéfice de la France au niveau de la langue. Il va se perdre plus rapidement son français, toi tu vas perdre ton japonais. Voilà, parce que toi tu parles couramment japonais, pas couramment. Il faudrait que vous fassiez parfois des conversations tous les deux, mais en dehors des caméras, en français. Cela dit, ça va faire aussi, je pense, du bien à Jane de retrouver un environnement où où il comprend sa culture. Voilà, sa culture. Bah, c'est vrai que moi, quand je comprends rien dans une langue, c'est fatigant. C'est fatigant. Voilà. Ça a un peu le calmé. C'est vrai, quand t'étais au Japon, tu comprenais rien. Bah oui, c'est... Ouais, c'est... T'es perdu, c'est sûr que t'as pas de repère. Ouais, on sait pas ce qu'ils disent. Mais... Maman au Japon, mais tout seul. C'est pas pareil de tenter dans ta vie. Non, c'est pas possible. Maman au Japon tout seul. Moi au Japon tout seul, c'est même pas la peine. Je trouve déjà pas la sortie de l'aéroport. Alors déjà. Et puis ça permettra aussi à Hélène de voir sa famille. Oui, voilà, ça, ben oui, parce que... Il en faut pour tout le monde. Voilà, vous êtes resté un an avec nous, ben maintenant partez au Japon, profitez un peu de la famille de Gen, et puis du Japon, des voyages au Japon, quoi. Bah, c'est vrai que moi, globalement, avant de faire YouTube, j'avais quoi, 10 jours de vacances dans l'année, donc à part Disneyland et... quelques fois dans la famille de Gen, j'ai pas vu grand-chose du Japon. Vous allez pouvoir découvrir le Japon. Bah, je le disais dans une autre vidéo, mais globalement, j'ai plus voyagé quand Geoffrey est venu au Japon qu'avec Gen en 3 ans. Oui, bah c'est ça. Bah oui, mais vous travaillez, donc c'était pas possible. J'ai jamais été une seule fois dans le Kansai avec Gen. On a jamais mis les pieds à Osaka, Kyoto et tout ensemble. La seule ville où on a été à deux, c'était la région de Gen à Yamagata et Sendai. Et Okinawa. Donc vacances à Okinawa. Il a jamais été à Hokkaido, je crois, donc il y a plusieurs trucs. Vous allez avoir plein de... d'endroits à voir et à faire découvrir aux fans, à ceux qui vous suivent. C'est plutôt eux qui vont nous faire découvrir déjà. Ne serait-ce par exemple voyager dans les différentes préfectures. Voilà. Et par exemple, goûter ne serait-ce les spécialités. C'est ce qu'on faire. Oui, les spécialités de chaque préfecture. Comme ici en France, il y a des spécialités dans chaque région. Bah, là-bas, vous faites la même chose avec les jeunes. Au Japon, quoi. Une sorte de tour du Japon. Ouais, ça serait faire. Ah oui, le tour du Japon. Gen, il a plein d'idées. Si vous en êtes arrivé là aujourd'hui, je pense que c'est grâce à lui. Hein. C'est lui qui a eu toutes les idées. Hein. Je le félicite pour toutes ses idées, pour tous les nombres de followers que vous avez obtenus. Et je lui encourage à continuer comme il fait. Pour avoir ses 200 000 abonnés à la fin de l'année, je pense que vous allez largement y arriver. Bravo Gen, bravo Amandine et merci pour tout. Quoi. Merci de m'avoir fait participer aussi à des vidéos. Alors, est-ce que c'est plus compliqué pour toi de me voir partir maintenant ou quand j'ai fait mon année d'études que tu savais pas que c'était la première fois que je partais aussi loin, aussi longtemps, tu vois? Non, c'est incomparable pour moi, là. Déjà, je sais que tu pars pas seule. Je sais avec qui tu pars et je sais que tu vas retrouver un peu tout ce que tu aimes là-bas. Déjà, le Japon, hein, parce que tu as toujours été attirée par ce pays, donc tu vas retrouver... cet endroit merveilleux que tu aimes, quoi. Non, je m'inquiète pas. Non, je m'inquiète pas plus que ça. Je suis contente pour vous, au contraire. Je suis contente pour vous. Geoffrey, c'est pareil, de toute façon, on se voyait pas avant. Pas faux, non. Je m'inquiète pas du tout. Non, pas... non, non. Et papa, du coup? Non, pas faux. Alors, je pense que papa... bon, alors déjà, c'est lui qui vous emmène à Paris Charles de Gaulle demain. Il va l'avoir dur, parce que ça fait déjà plusieurs fois qu'il dit « Mais pourquoi tu parles? Pourquoi tu parles ?» Mon papa qui va l'avoir dur. Il était tout en train de dire. Toi aussi, mais papa, il le montrera pas, il le montrera pas. Ça tombe, il va pleurer toute la route, retour.
quoi. Tu mettrais une petite caméra de la voiture. Ça fait une vidéo. Mais bon, papa, il travaille, il est occupé beaucoup par son travail, donc... Il verra pas le temps passer, lui. Voilà, je pense que lui, ça va passer vite. Ça sera plus long pour moi. Ce qui me fait rire avec papa, c'est qu'il déteste le téléphone, mais quand je suis au Japon, tous les jours, j'ai des nouvelles, tu sais. En fait, comme le départ il a été d'avancer d'une semaine, en fait j'arrive même pas à me dire demain je suis dans la même. T'es pas projeté. Ah ouais, complètement quoi. Ouais. Je lui arrive à Haneda, je suis plus sérieux. Qu'est-ce qui se passe, je suis plus en France. Bah c'est vrai je que... suis absolument pas partie pour, dans ma tête pour partir au Japon demain. C'est vrai que pour moi demain, la maison de Kat, je vais être toute seule parce que papa il faut qu'il vous emmène et qu'il revienne de Paris. T'as moins de nourriture à faire. Ça, je pense que ça va être plus dur pour vous aussi. Vous avez l'habitude d'être à 4 à la maison. Là, vous avez passé à 2. Là, vous pouvez voir quand papa travaille à 1. Ah bah oui, là. Et c'est après, t'avais toujours l'habitude d'avoir une présence. C'est ça qui arrive d'être dur aussi. J'ai mon puzzle, et puis j'ai mes amis, et puis j'ai des travaux. Je voudrais finir mes peintures et tout. Profitez, vous soyez pas. Oh si, si, j'ai plus grand chose à faire, je vais la finir. Attends, je fous de toi. Je verrai ça quand t'auras fini. Ah bah, si, je vais finir. Si, si, je vais m'occuper, t'inquiète. Non, ça va aller. Puis de toute façon, on peut pas toujours non plus. C'est une lassitude à force de toujours montrer les mêmes choses. Puis après, les idées manquent. Du coup, si les frontières rouvrent alors qu'on est là-bas, ça vous tenterait de venir ou pas? Si les conditions le permettent, par rapport à l'ouverture des frontières, Covid, etc., oui, pas de soucis. C'est surtout ça. Ben moi aussi, mais déjà partir toute seule dans l'avion, je vais avoir du mal. Je prends Geoffrey. Ouais. Ouais, c'est notamment les grandes vacances. Ouais, l'été. Donc quand il fait chaud. Ouais, mais. Chaleur, je supporte plus maintenant. Ouais. Donc moi, c'est pas de dérange. Mais après, il y a avril, hein. Ah non, mais en avril, j'ai 15 jours. Je vais pas au Japon pour avril. Ah ben en fait, on avait prévu déjà en 2020 de venir, Geoffrey et moi, au mois d'avril. Mais vous, bon, vous êtes revenu, on n'y est pas allé. Mais oui, c'était possible d'y retourner, oui, je pense que j'y retournerai. Par contre, j'y retournerai. Non, tu n'y es jamais allé. C'est dur d'y retourner. Oui, je pense que j'y irai, mais par contre, je pense que je resterai plus que 15 jours. Déjà, il faudrait que j'arrive à monter dans l'avion, puis 13 heures de vol. Ouais, ça fait 13 heures, ça fait c'est bon. Non, franchement, moi, j'ai trouvé que t'es passé vite. Tu dors, tu regardes des films, c'est bon. Ouais, j'avais regardé 3 films. Ouais tu regardes 3 films de 2 heures, ça fait déjà 6, t'as déjà la moitié. Ouais. Bon. Pour l'instant, le voyage au Japon n'est pas prévu pour moi, donc je sais pas. Mais dès que je peux, ah oui, je vais y aller. Vu les images que j'ai vues avec le projecteur, là... J'ai été émerveillée, je veux y aller au moins une fois dans ma vie, je l'ai dit, j'irai. Je pense que je vais y aller. Peut-être que je vous rejoindrai plus tôt que prévu, ce sera la surprise. Eh ben, merci beaucoup. Ben, de rien. C'est nous qui te remercions. De vous avoir fait participer à des vidéos et d'avoir été apprécié par vos fans japonais. はい、ということで、この動画が終わります。いかがだったでしょうか？まあもちろん明日は日本に行く実感が全くわかんない、もう本当にないんですけど、まあとても楽しみにしております。まあ家族はもうすぐ会えるかなとは、そういう気持ちで一応行きますので、まあ寂しくないとは言えないんですけど、まあ楽しく今日本に行こうかなと思っております。では次は、日本で会いましょう。バイバイ。バイバイ、バイバイ。カモン。バイバイ。あアルフィドド、うん、カモミーまた1年後だねまた会おうねカモミユ Bon ben à plus bonne continuation professionnelle et personnelle avec Jen、mm. je lui dirai bonjour de ma part donc ça va être un au revoir pas un adieu、mm. on se reverra soit ce matin viendrai、mm. tout seul sans maman tout seul sans maman ça lui est pas sympa ça va avancer vousNon, bah on verra. Oh là là, quelle c'est aussi grande que lui, mes chaussures.